Bienvenue sur Géopolitique Profonde, ici Franck. Alors, nous sommes en direct aujourd'hui avec l'économiste Philippe Perlin. Donc, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. Vous avez vu, l'actualité est assez brûlante, donc on va essayer de faire un petit tour d'horizon de pas mal de sujets. Donc, on va peut-être commencer par l'international, ensuite passer au national, avec tout ce qui se passe en France. Et puis ensuite, pourquoi pas essayer de voir qu'est-ce qu'on peut proposer enfin comme solution pour se sortir un peu de ce carcan et de ce marasme que l'on vit depuis un petit moment et qui s'accroît aujourd'hui. Bonjour Philippe Perrin, comment vous allez? Bonjour, merci pour votre invitation. Et ça Ben va c'est en avec pleine plaisir. forme. Malgré la situation, ouais, que du coup, je voulais savoir, ben, pour commencer, qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette actualité brûlante là? Qu'est-ce qui Allô? se passe avec la Russie? Vous m'entendez? Ça a coupé. Ça a coupé là. Une petite Ouais, coupure. C'est bon, on reprend là. vous m'entendez? Oui, je Oui, ça disais, va. qu'est-ce que vous pensez un peu voilà, de l'actualité brûlante avec la Russie, du coup, qui accroît encore une fois les tensions après justement ce fameux bombardement du pont en Crimée. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation géopolitique aux portes de la France? Elle est au port de l'Europe, mais elle est dangereuse parce qu'elle exacerbe des tensions qui étaient existantes. Moi, ce que j'explique, c'est que on ne peut pas mettre la hausse des prix de l'énergie et l'inflation en général sur le dos de Poutine et sur le dos de la guerre en Ukraine parce que les tendances étaient déjà là bien avant. Et la guerre en Ukraine a en quelque sorte exacerbé ces tendances-là. Mais moi, j'ai expliqué avant, bien avant la guerre en Ukraine, que l'inflation allait revenir. On l'a déjà vu apparaître bien avant l'Ukraine, hein. Et ça, c'est notamment, enfin, il y a deux raisons principales au retour de l'inflation. C'est la planche à billets des banques centrales qui a été faite pendant le Covid, hein, parce qu'il fallait financer les déficits gigantesques des États. Donc, il y a un niveau de planche à billets qu'on n'avait jamais connu, même pendant la crise des subprimes de 2008, on n'avait pas atteint ce niveau-là. Donc, une planche à billets énorme qui, là, au bout d'un moment, bah, ça se traduit vraiment en inflation, quoi. Alors qu'avant, il n'y avait pas vraiment d'inflation dans les biens de consommation, mais il y avait de l'inflation dans les actifs. C'est ce qu'on appelle de l'inflation d'actifs. Et quand on regarde, les banques centrales ont commencé à être laxistes au début des années 2000, c'est à partir de ce moment-là qu'on voit dans le monde. Les prix de l'immobilier se mettent à augmenter, les prix de l'or, des œuvres d'art, voitures collection, enfin tous des biens qui permettent de se protéger de l'inflation. Donc Et de la l'inflation, bourse. elle a commencé en 2000, et la bourse aussi. L'inflation, elle a commencé en 2000. Et là, ce qui est nouveau depuis le Covid, c'est qu'elle touche les biens de consommation. Et donc là, tout le monde la voit, y compris les organismes statistiques qui jusqu'ici ne la voyaient pas, quoi, parce qu'ils ne cherchaient pas vraiment, quoi. Mais les gens qui s'achètent un appartement le voyaient. Donc la première cause de l'inflation, c'est ça. On est en plein dedans et on ne prend pas vraiment le chemin inverse parce que la Banque centrale européenne continue. Ça frise. C'est bon, voilà. Ouais, petit souci de connexion de votre côté, on dirait. Voilà, bon. Et donc. Vous étiez arrêté à la Donc la Banque planche à Centrale billets, Européenne? voilà, Ouais. la Banque centrale européenne qui continue de faire la planche à billets. La Banque centrale américaine relève ses taux, elle le fait assez rapidement et elle dit qu'elle va réduire son bilan, donc arrêter d'acheter des obligations du Trésor américain. Maintenant, est-ce qu'elle va tenir? C'est pas sûr, hein, parce qu'il y a tellement de dettes que ça peut provoquer des crises importantes. Hein, donc on verra si elle tient. Mais en tout cas, cette inflation-là, elle va continuer. Et puis il y a la deuxième cause fondamentale de l'inflation, qui est la transition énergétique, qui coûte extrêmement cher, hein, parce que le fait d'installer des éoliennes qui produisent de l'électricité, qui est bien plus cher que les autres moyens de production, que ce soit le nucléaire ou même le gaz, eh ben, ça renchérit le coût de l'électricité, hein. Et puis au-delà de ça, il y a toute la transition, par exemple l'interdiction de la voiture thermique en 2035, l'obligation de lutter contre les passoires thermiques, là tout d'un coup en dépensant des milliards. Enfin, tout ça provoque des désordres dans l'économie et ça provoque de l'inflation. Donc, ça, ce sont deux tendances lourdes qui font qu'il y a de l'inflation et que de toute façon, même sans la guerre en Ukraine, nous aurions été confrontés à une crise énergétique qui serait venue un peu plus tard, pas de façon aussi brutale, mais on aurait quand même été confrontés à ce problème-là.
Ok. De toute façon, j'ai des questions un peu pour approfondir tous ces points sur l'écologie, justement. Je comptais venir à ça à la D'accord. fin, plutôt vers la fin. Concernant l'inflation, est-ce que c'est vraiment la planche à billets qui fait ça? Parce qu'on fait de la planche à billets, comme vous l'avez dit, depuis la crise des subprimes en 2008. Donc, depuis, on a commencé à lancer de la planche à billets massive en 2011. Il y a eu plusieurs QE, en fait, aux États-Unis, et puis les autres pays Ouais. ont suivi. Mais est-ce que c'est ça la réelle cause? Parce que certes, ils ont fait énormément de planches à billets pour justement financer les entreprises et les gens pendant le Covid-19, mais il y avait quand même eu des masses monétaires qui étaient exponentielles juste avant, et ça n'avait pas pour autant amené l'inflation sur les biens de consommation, comme vous dites. Est-ce que c'est pas plutôt le fait que, à cause du Covid, on a commencé à relever les barrières tarifaires, et puis donc ça devenait de plus en plus difficile d'échanger les biens, et ça remettait en question en fait cette mondialisation qui permettait d'avoir des biens à bas coût. On relève un peu les barrières et puis les frontières d'ailleurs. On essaie de contrôler un peu les échanges humains de marchandises, et puis ça fait monter un peu tous les prix, et c'est ça qui provoque l'inflation directement sur les biens et les services des gens. Est-ce que Non, c'est je pas crois ça pas plutôt la parce réelle que cause il n'y aujourd'hui, a non? pas eu vraiment de relèvement des barrières tarifaires. Ce qui s'est passé après le Covid, c'est des chaînes logistiques qui étaient, on va dire, endommagées. Donc, il a fallu le temps de les relancer. Il y a eu des retards. On sait que les constructeurs automobiles manquaient de puces électroniques. Voilà, donc ça a expliqué que une augmentation des prix ou un décalage dans le temps. Enfin, voilà, ça a provoqué des pénuries. Mais ça, c'était plutôt des. C'est une inflation, voilà, qui a existé, mais qui était due au redémarrage des chaînes logistiques. Mais il n'y a pas eu de hausse tarifaire en tant que telle. Donc, ce n'est pas Il y ça a de plus vraiment en qui plus de explique. protectionnisme, non? Par contre, quand même, on voit qu'il y a quand même de plus en plus de protection, notamment venant de la Chine, qui essaie de protéger ses industries, puis ses biens de Ah consommation à l'export et à non, l'import. mais ça, la Chine le fait depuis toujours. Bien sûr, bien sûr. Ils ont leur propre GAFA parce qu'ils ont interdit aux GAFA américains de s'implanter en Chine. Hein, donc ça, on le sait, et ils le font pour toutes les industries. Même si à l'extérieur, ils défendent un discours d'ouverture. Mais les États-Unis font la même chose. Hein. Ils savent protéger Bien leur sûr. marché. Et à l'extérieur, ils défendent un discours d'ouverture des frontières, un discours libéral. Et l'Europe, c'est un peu l'idiot du village qui comprend pas le double discours, qui n'est pas assez subtil et cynique pour comprendre ce double discours, et qui ouvre son marché sans contrepartie. Parce qu'on ouvre notre marché à la limite, mais il faut que les marchés publics ou les marchés chinois et américains puissent s'ouvrir aussi à nos entreprises, mais ce n'est pas vraiment le cas. Hein. Par exemple, le secteur bancaire ou le secteur de l'assurance en Europe est très puissant, mais il ne peut pas s'implanter en Chine et très difficilement aux États-Unis, quoi. Bon, donc voilà, donc exporter des voitures, on le fait un peu, mais bon, voilà. Donc, nous, on est un peu les naïfs de la bande, quoi. Voilà. Donc, on se fait avoir de ce côté-là, et ce qui fait que ça produit une désindustrialisation. Et ce qui se passe en ce moment avec la hausse des prix de l'énergie, c'est que ça va produire une deuxième désindustrialisation de l'Europe. Et ça va être catastrophique, parce que ça va faire une perte de richesse énorme, quoi. Et c'est pas sûr qu'on s'en relève, quoi. Enfin, on risque de glisser en deuxième division, quoi. C'est-à-dire être largement derrière les États-Unis et la Chine, quoi. Et donc pour vous, ce conflit-là, il a accéléré en fait une tendance déjà de fond qui était présente. Est-ce que vous pensez du coup que si le conflit s'arrête, est-ce que vous pensez que ce conflit va s'arrêter, on va dire en bon terme avec des solutions diplomatiques, des traités et compagnie, ou est-ce que vous pensez que ça va monter en intensité? Et est-ce que vous pensez du coup que la situation, notre situation énergétique va se résorber quelque peu? Non, elle ne va pas se résorber parce que de toute façon, les Américains, ça les arrange que la guerre dure longtemps. Bien C'est un sûr. peu comme la guerre Iran-Irak, hein, ça affaiblissait les deux, donc ça les arrangeait, quoi. Donc là, c'est un peu Excellente pareil, stratégie. quoi. Ça affaiblit à la fois la Russie et l'Europe. Et c'est le jeu des Américains qui vont pouvoir affaiblir l'Europe, qui coupent l'Europe en deux. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme s'il y avait un nouveau mur qui séparait la Russie de l'Europe. Alors qu'on sait que les géopolitologues américains voient comme la pire chose qui puisse arriver une union du continent européen, c'est-à-dire que, on va dire, l'intelligence et la créativité européenne avec les matières premières et les énergies russes, ça fait de nous la première puissance mondiale, sans conteste. Donc les géopolitologues américains ont toujours fait en sorte que ça n'arrive pas, et donc à mettre un coin entre la Russie et l'Europe, et l'Ukraine, c'est vraiment ce coin-là. Voilà, c'est ce qui permet vraiment C'est exactement ce que disait de Brzezinski, provoquer. effectivement. Voilà, mais j'ai lu le bouquin de Brzezinski. Hein. C'est ce qu'il Passionnant explique. d'ailleurs. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'il explique. Et donc, il le met en application. Et nous, on est trop naïfs pour comprendre ça.
Et on s'aligne complètement sur les Américains, alors que je considère que l'Europe, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe devrait jouer un rôle de médiateur. Elle devrait demander des cessez-le-feu, elle devrait demander des négociations de paix, de mettre tout le monde autour de la table. Notamment la France, qui devrait jouer son rôle Alors diplomatique, voilà, alors la justement de France, troisième voie. la France, si elle avait encore un soupçon de gaullisme parmi ses dirigeants, c'est le rôle qu'elle tiendrait. C'est ce que. Et Pourtant, tout le l'Europe monde en parle du devrait jouer. gaullisme, hein. Tout le monde est Voilà. gaulliste, tout le monde parle de la vision Ouais, de De tout le monde Gaulle, mais est gaulliste, personne mais n'applique. personne le fait. Voilà. La France et l'Europe devraient jouer ce rôle-là. Elle ne le joue pas, donc la guerre va continuer. Et même si elle devait s'arrêter un jour, elle va s'arrêter un jour, les sanctions continueront. Donc, l'Europe va payer cher ses matières premières et ses énergies, ses importations d'énergie. Et donc, ça va entamer durablement sa compétitivité. Et donc, c'est une catastrophe parce qu'on va rentrer en récession pendant des années et des années, quoi. Voilà, Oui, parce que l'alternative du gaz, du fameux gaz russe, c'est apparemment le gaz de schiste américain, qu'on ne peut voilà. même pas acheminer parce qu'on n'a pas les infrastructures qui sont prêtes à ça. Il faudrait On des n'a pas années pour les suffisamment. mettre en place. En plus, c'est hyper cher, et tout ça, c'est vraiment au bénéfice des États-Unis, dont on a l'impression vraiment ils ont tout intérêt à ce que ça continue. Ah, On mais oui, voit justement les Nord Stream, voilà, péter eux. d'un coup comme ça. On se dit, c'est quand même marrant. On cherche un peu qui c'est qui a intérêt à ça, quoi, à la fin. Alors, mais les Américains font partie des gagnants parce qu'il faut comprendre qu'eux, ils sont indépendants énergétiquement. Donc, ils souffrent beaucoup moins que nous. Et le gaz aux États-Unis, il a un prix tout à fait normal. C'est grâce au pétrole du schiste qu'ils sont indépendants depuis quelques Voilà, années, qu'ils ont avec le dépassé pétrole et l'Arabie le gaz de Saoudite et schiste, il est compagnie. complètement indépendant. Et un signe d'ailleurs de cette désindustrialisation, c'est Tesla qui avait commencé à construire une usine de batterie près de Berlin. Ils l'ont mis en pause parce qu'une usine de batterie, ça consomme beaucoup de gaz. Et là, avec le prix du gaz actuel, leur usine n'est plus du tout rentable. Donc, ils ont mis leur projet en pause. Il va certainement être définitivement arrêté et l'usine va être construite aux États-Unis où là, le gaz est à un prix tout à fait bon marché, quoi. Donc c'est un suicide de l'Europe. Surtout que nous, on pourrait, moi c'est une idée que je défends, on pourrait exploiter le gaz de schiste que nous avons dans le sous-sol en France et en Europe. On a des gaz de schiste importants. Alors je sais que ça fait peur à pas mal de gens parce que Vous n'avez pas peur des foudres il des écologistes? alors il peut y avoir effectivement, il peut y avoir des risques de. Pour moi, le grand risque qu'il faut absolument circonscrire à 100%, c'est le risque de pollution des nappes phréatiques. Parce que les nappes phréatiques, ça, c'est une ressource absolument vitale pour des millions d'années. Donc, il faut absolument pas qu'il y ait le moindre risque. Mais je veux dire, maintenant, ça fait longtemps que les puits de l'extraction du gaz de schiste existent. Donc, on peut déjà commencer par aller voir comment ça se passe dans tous les pays qui ont mis en œuvre cette technique, voir si elles sont sûres à 100%. Et puis ensuite, on peut éventuellement l'implanter en France et en Europe. Enfin, on peut au moins se poser la question. On peut au moins faire des forages d'exploration pour voir le potentiel. Mais même ça, c'est interdit. Il faut savoir qu'il y a une loi qui interdit le simple fait de faire des forages d'exploration pour connaître le potentiel qu'on a dans le sous-sol. Donc, on a une Pourtant, ça loi mériterait complètement des études, moyenâgeuse. effectivement. Voilà. Donc voilà, ce serait aussi une solution, le gaz de schiste. Enfin, on peut faire sans, mais si on a ça ferait une ressource. On pourrait être totalement indépendant sur les gaz. Ça ferait bien une ressource financière supplémentaire. Ça ferait baisser les prix au niveau mondial. Et voilà, ce serait une façon de s'en sortir. Mais ça, personne n'en parle, quoi. Voilà. Enfin, il y a l'East russe qui a ouvert la porte. Donc on va voir ce que ça donne chez les Anglais. Ok, très bien. Et du coup, pour en revenir un peu au sujet de ces pénuries de gaz, on peut revenir sur cette thématique du pétrole. Là, tout le monde constate qu'il y a des pénuries réelles d'approvisionnement, en tout cas. Il y a des queues pas possibles à la pompe. Est-ce que c'est de l'incompétence, ça? Est-ce que c'est organisé? Quel est le problème, en fait? Bon, ça, ce qui se passe au moment, ça, c'est, je dirais, c'est une affaire ponctuelle en France, c'est la CGT qui se réveille et la CGT doit régulièrement montrer qu'elle peut bloquer le pays. Parce que ça fait partie de sa force, de son ADN, je dirais. Donc régulièrement, il faut savoir qu'on va se taper soit une grève des dockers, soit une grève de la SNCF, soit une grève de la Poste, pour que la CGT montre qu'elle a le pouvoir Qu'elle de bloquer existe. le pays et ça lui permet ensuite de négocier. Voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est la raffinerie, mais ça, je dirais, c'est ponctuel par rapport au fait que on a un réel problème sur l'énergie fossile et sur le pétrole, parce que justement, dans le cadre de cette politique écologique, voilà, on fait tout pour décourager l'exploration et la découverte de nouveaux gisements pétroliers. Je rappelle que Barbara Pompili, donc c'est le précédent gouvernement, s'était vanté que le G7
que les banques du pays du G7 ne financeraient plus la recherche, les centrales thermiques, les centrales à charbon et la recherche de pétrole. Donc ça, c'est très intelligent parce que la Chine ne fait pas partie du G7, donc c'est eux qui vont récupérer le marché. Voilà. Donc, et quand on regarde au niveau mondial, les dépenses dans l'exploration, la mise en route de nouveaux gisements de pétrole sont en diminution depuis plusieurs années, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu ric-rac. On n'a pas tellement de marge de manœuvre. Et quand l'OPEP décide de ne pas augmenter sa production, eh ben on est coincé et les prix sont élevés. Voilà. Donc ça, c'est le résultat de la politique écologique complètement stupide qui nous rend complètement dépendants des producteurs de pétrole, là, donc pas seulement du gaz, mais aussi, aussi du pétrole. Et on est coincé parce qu'on peut difficilement trouver d'autres fournisseurs, alors que la Russie, elle, n'est pas gênée. Hein. La Russie, de toute façon, elle nous vend moins, nettement moins en gaz, mais comme les prix ont explosé, globalement, elle est gagnante. Et en plus, elle trouve d'autres clients hein, avec l'Inde et avec la Chine. Hein. Elle est en train de construire un nouveau gazoduc vers la Chine. Donc la Russie trouvera sans problème de nouveaux clients. Entre-temps, les prix ont augmenté, donc c'est tout bénéfice pour elle. Et l'Europe, on va se retrouver avec des pénuries et des prix impossibles à payer, quoi. Donc, c'est... Et la solution, ce ne serait pas le nucléaire, du coup, en alternative? Alors, le nucléaire, mais, le nucléaire, évidemment, c'est une solution, mais le nucléaire ne peut pas tout remplacer. C'est-à-dire, pour le transport, c'est le pétrole. Enfin, le transport routier, je veux dire, hein, voiture particulière et camion, bah, c'est le pétrole, hein, voilà. Et la voiture électrique, c'est un mythe complet. C'est absolument impossible de basculer tout le parc en 2035 en électrique. C'est techniquement impossible en termes de production électrique, en termes de matériaux pour y accéder. C'est impossible. Donc, le transport routier, c'est le pétrole. Et le gaz, c'est nécessaire dans beaucoup d'industries. Donc, il faut du pétrole, il faut du gaz. Voilà. Il faut trouver de nouveaux approvisionnements et on n'est pas capable de le faire. Donc, ça va être une catastrophe pour notre industrie. Voilà. Et pour c'est les pas prix. Un problème aussi avec le marché européen dans ce sens-là, parce que tous les prix de l'énergie sont liés en fonction des pays membres. Oui, alors ça, c'est il y a aussi des problèmes internes que l'on pourrait régler assez rapidement, c'est-à-dire que le prix dans le marché européen, enfin qui est un pseudo-marché en fait, c'est un marché artificiel qui a été inventé par des bureaucrates. Le prix d'électricité est indexé sur le gaz, sur la dernière centrale au gaz. Ça, c'est une concession assez complètement stupide parce que c'est une concession que nous avons faite à l'Allemagne parce que l'Allemagne ne voulait pas que la France et les entreprises françaises bénéficient d'une électricité bon marché qui leur aura donné un avantage de compétitivité significatif. Donc, ils ont fait en sorte qu'on paye l'électricité au prix du gaz. Mais je rappelle simplement qu'on peut en sortir et c'est ce qu'ont fait l'Espagne et le Portugal. Hein. Et aujourd'hui, en Espagne et au Portugal, le prix d'électricité pour les particuliers et pour les entreprises est très nettement inférieur à ce qu'on a en France. Quoi. Donc, on pourrait avoir ça et ça nous éviterait d'en mettre en œuvre un bouclier parce que le bouclier, on le paye parce que l'électricité est surévaluée. Quoi. Donc, c'est complètement... On dépense des milliards pour le bouclier pour baisser le prix de l'électricité alors qu'il suffirait de sortir du marché pour ne pas avoir à faire ce bouclier et avoir des prix bon marché. Donc, c'est complètement aberrant. On marche sur la tête. Mais voilà, quoi, C'est l'idéologie, en fait, parce qu'on voit que le pragmatisme, là, ne dirige pas vraiment les intentions des dirigeants. Oui, c'est l'idéologie, c'est-à-dire que Macron veut absolument maintenir la fiction du couple franco-allemand, quoi, voilà. Donc, oui, oui. C'est ça, quoi. Et donc, il ne faut absolument rien faire qui puisse fâcher les Allemands, quoi. Toujours la même problématique depuis des années. Ok, et du coup, pour vous quelles sont les solutions pour le gouvernement, quand on est au pouvoir, quelles sont les réelles solutions, à part celles que vous avez exposées, pour justement soutenir les gens qui n'ont plus les moyens, qui n'auront plus les moyens demain, parce que pour vous, l'électricité et le prix de l'énergie, grosso modo, va continuer d'augmenter ou alors se stabiliser à la hausse dans tous les cas. Donc, ça va coûter plus cher, en tout cas pour tout le monde. Quelles sont les solutions là que le gouvernement va apporter? On a déjà vu qu'ils ont donné des chèques énergie, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de ces solutions? C'est probablement inflationniste, hein, j'imagine que c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement? Il y a des solutions qu'on pourrait faire rapidement. Alors, comme je disais, sortir du marché de l'énergie européen, parce que nous, on a une base de production nucléaire qui est très bon marché. Donc, comme ça, on pourrait s'alimenter là-dessus. Et puis ensuite, acheter du gaz quand on a des besoins. Mais le prix du gaz, le prix de l'électricité produit par le gaz qui serait élevé, lui, ce prix-là, il serait réparti sur l'ensemble de l'année, sur toute l'année.
et sur une électricité produite à moins de 50 euros le mégawatt dans nos centrales nucléaires. Donc, ça ferait un prix final pour le consommateur qui serait extrêmement bon marché par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc, déjà, il faut sortir de ça, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal. Il faut supprimer la tarification ARENH qui oblige EDF à revendre une partie de son électricité à des revendeurs, mais qui ne font rien d'autre que prendre l'électricité et la revendre avec une marge. Hein. Ce n'est pas des gens qui construisent des centrales, qui entretiennent le réseau. Ils ne font rien d'autre que capter une marge. Donc, c'est quelque chose à supprimer parce que ça n'apporte rien au marché. Ensuite, moi, je dis il faut stopper la transition énergétique. Hein. Il faut arrêter de construire des éoliennes parce que les éoliennes, elles sont intermittentes. Donc, si on construit des éoliennes, automatiquement, il faut construire des centrales au gaz pour les moments où elles ne tournent pas. Et donc, ça nous rend dépendants du gaz, qui est vraiment pas intelligent. Donc, il faut. Et puis, même toutes ces dépenses qu'on fait, bon, l'interdiction de la voiture thermique, et tout ça, il faut stopper la transition énergétique. Moi, je dis aussi qu'il faut s'interroger sur les sanctions envers la Russie, les sanctions dans le domaine de l'énergie. Vu qu'elles servent à rien et qu'elles ont surtout un effet boomerang, moi je considère qu'on doit les remettre en cause. Hein, voilà, tout Surtout simplement. elles sont avantageuses vraiment dans les faits. On voit que Voilà. la Russie a quand même réussi à récupérer des devises de manière exponentielle à coups de milliards et de milliards, Mais voilà, grâce justement à cette politique. la Russie n'est pas du tout gênée. Donc il y a un moment, il faut reconnaître ses erreurs. Et puis, pour moi, il faut remettre en cause ces sanctions envers la Russie. Et puis, adopter, comme je disais, une attitude de médiation entre l'Ukraine et la Russie plutôt que de s'aligner sur les Américains, quoi, voilà. Et donc aller vers la paix, aller vers des discussions, quoi, voilà. Pour résorber un peu l'inflation, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette politique de taux? Alors là, c'est un peu la panique sur plein de sujets, notamment les Ouais. marchés financiers. On a une remontée des taux, on a des annonces de remontée des taux, ça commence à augmenter légèrement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le problème, c'est que pour résorber l'inflation, effectivement, il faut monter les taux d'intérêt. Donc je rappelle, les taux d'intérêt directeurs, c'est ça qui va grosso modo donner le ton sur l'économie, que ce soit en termes de masse monétaire, que ce soit pour financer les entreprises, les États. Et donc, à un moment, effectivement, on était dans une politique de taux bas, voire négatif. Là, on commence à remonter les taux. Est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de solvabilité derrière des entreprises, des États? Parce qu'on met en place la Ah politique exacte inverse, parce qu'on a subventionné tout le monde pendant le Covid. Et là, maintenant, on remonte les taux et on demande à tout le monde de rembourser leurs prêts, leurs ouais. emprunts. Et on arrête également on arrête de donner de l'argent à tout le monde, tout simplement. Ah ouais. On passe du Ah tout ouais, au c'est. tout. Est-ce que ce n'est pas extrêmement problématique? Alors, c'est problématique, c'est-à-dire que la remontée des taux aux États-Unis, ça fait sens parce qu'aux États-Unis, l'inflation, elle vient assez peu, elle vient en partie, mais assez peu de l'énergie, hein, parce que là-bas, ils ont du gaz très bon marché. Alors, l'essence, il la paye un peu plus cher parce que le baril a monté, mais disons que la part de l'énergie dans l'inflation est quand même moins élevée que chez nous. Et ça vient par contre beaucoup de chèques qui ont été distribués directement aux Américains. Ça, c'est des plans de Biden, hein, qui ont coûté une fortune. Donc, le fait de remonter les taux et de rendre le crédit un peu plus cher, ça peut avoir, enfin, ça va avoir un effet réel sur l'inflation. Maintenant, est-ce que cette politique de remontée des taux va pouvoir être tenue sans que ça provoque des crises financières graves parce qu'il y a beaucoup d'endettement et voilà. Alors ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, le fait que la Fed décide de remonter les taux, ça fait sens. Alors qu'en Europe, ça fait pas sens parce qu'en Europe, on n'est pas dans cette situation-là. On n'a pas une demande qui a été gonflée artificiellement suite à des chèques, enfin un petit peu à l'occasion du Covid, mais pas tant que ça. Et l'inflation en Europe, elle vient quasi essentiellement, enfin, elle vient en très grande partie de l'énergie. Et donc, le fait de remonter les taux, bah, ça ne change rien. Ça ne va pas faire baisser le prix de l'électricité, du pétrole, quoi. Donc l'action de la BCE, elle est limitée. Puis en plus, elle s'y prend vraiment avec beaucoup de précautions en prenant son temps. Donc, ça va avoir un effet limité. Donc cette remontée des taux, là aussi, je ne pense pas qu'elle dure très longtemps parce que ça va provoquer des crises. Si les taux bon, remontent à 2-3%, ça va encore, mais au-dessus, ça met des États en faillite. Hein. Je veux dire, l'Italie ou la France avec des taux pareils, ça fait exploser la charge de la dette. Et ça nous met. Voilà, donc c'est pas très tenable longtemps, quoi. Voilà. Est-ce qu'on peut pas se poser des questions, justement? Alors, c'est des choses dont on parle depuis des années et des années, c'est vraiment la solvabilité des banques. Donc là, on est censé avoir construit, notamment en Europe, un système
financier et bancaire plus solide et plus résilient justement suite à la crise de 2008 des subprimes. Aujourd'hui, là, on a des actualités inquiétantes du point de vue du Crédit Suisse. Vous en avez entendu parler. Ça fait depuis à peu près 2018-2019 qu'on parle également de la Deutsche Bank. On a des banques qui sont ultra systémiques en Europe, qui arrivent à des points à des niveaux de tension assez élevés. Qu'est-ce que vous en pensez pour vous? Le système européen est résilient de ce point de vue-là, du système bancaire? Non, il n'est pas résilient. Et là encore, il y a une grande différence entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Aux États-Unis, bah, il y a une faillite de Lehman Brothers, hein, qui a quand même provoqué une stupeur générale dans tout le secteur financier, hein, parce qu'ils se sont dit, ah bah oui, on peut ne pas être sauvé et se retrouver dans la rue, se retrouver au chômage du jour au lendemain. Okay. Et donc, les banques américaines ont quand même fait un effort important pour augmenter leurs fonds propres. Et aujourd'hui, les banques américaines, elles ont de l'ordre, hein, elles ont un ratio de 1 sur 10, c'est-à-dire qu'elles ont un dollar de cash pour 10 dollars d'engagement. Alors, ça semble énorme quand on en parle comme ça, mais pour le secteur bancaire, c'est quand même, enfin, c'est nettement mieux qu'il y a qu'au moment des Bien sûr, subprimes. Et c'est l'effet de quelque levier était chose, énorme. voilà, et c'est quelque chose d'assez sécure, quoi, on va dire. Voilà, ça n'empêche pas les crises. J'ai pas dit que ça empêcherait une crise bancaire, mais disons que ça limite. Alors qu'en Europe, les banques n'ont pas fait cet effort. Elles n'ont pas été incitées à le faire par la BCE, qu'aurait dû les obliger, ou par les États. Et donc, le ratio des grandes banques systémiques européennes, c'est plutôt de l'ordre de 1 sur 30. C'est-à-dire pour BNP Paribas, ou pour Deutsche Bank, ou pour Crédit Suisse, c'est de l'ordre de 1 euro de cash, de liquidité, pour 30 euros d'engagement. Donc là, il est évident que la fragilité, elle est énorme. Alors pour l'instant, on ne sait pas trop d'où ça peut venir. On parle du Crédit Suisse. Pourquoi le Crédit Suisse? On ne sait pas trop. Bon. Mais de toute façon, toutes les banques, toutes les grandes banques européennes sont fragiles. Et ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un événement inconnu, genre subprime ou une récession un peu sévère, pour que ça fasse sauter une banque. Et après, ça peut être extrêmement grave, quoi. Voilà. Donc, L'effet donc domino, le après, c'est secteur ça le problème. bancaire européen est très fragile. Et moi, je pense que si la crise continue plusieurs années, ce qui est mon scénario, ça va un jour ou l'autre déboucher sur une crise bancaire, quoi. Ok. Du coup, pour vous, les stress tests et compagnie, ça Ça, ne c'est sert pas à bidon, c'est bidon. grand-chose. Ça, C'est c'est selon les gens bidon. qui Il y sortent en a du eu qui ont papier. été faits, il y en a eu qui ont été faits juste avant la crise de 2008 et qui étaient tous positifs. Et puis, ça n'a pas empêché que, voilà, il y a plusieurs banques européennes se sont retrouvées en grande difficulté en 2008, 2009. Bon, donc là, non, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, les stress tests. Et du coup, comment on fait pour se prémunir dans ce genre de situation? Là, on peut passer à une section un peu plus protection individuelle. C'est-à-dire qu'OK, on a bien compris la situation, on voit ce que font les politiques, on voit que ça sert à rien, ça marche pas, ou alors c'est totalement idéologisé, donc c'est pas terrible. Du coup, que doivent faire les gens, que doivent faire le citoyen pour commencer à se prémunir? On peut commencer par exemple du risque bancaire, qui est un risque dont tout le monde a l'idée, au moins un aperçu dans la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce genre de situation, du coup? Ben moi, je dis, enfin, depuis toujours, je conseille de ne pas laisser énormément d'argent à la banque. Il faut savoir qu'il y a une C'est-à-dire quoi, directive. énormément? Alors, il y a une directive européenne, qui est la directive BERD, qui a été prise après ce qui est arrivé à Chypre en printemps 2013, où les banques ont fait faillite parce qu'elles avaient acheté beaucoup d'obligations grecques. Et comme il y a eu une restructuration de la dette grecque, ben, les banques chypriotes, Ah ben, oui. avaient beaucoup se retrouvé en faillite. Et donc, ils ont décidé de ponctionner directement les comptes des clients. Les banques en difficulté, enfin toutes les banques chypriotes, ont ponctionné les comptes des clients au-dessus de 100 000 euros. Et la directive BRD qui a été prise à Bruxelles, ils se sont dit, ah, tiens, c'est une très bonne idée, ça, pour éviter les faillites bancaires, on va prendre l'argent, on va prendre l'épargne des gens, quoi, voilà. Et donc, maintenant, c'est acté dans une directive qui a été légalisée en France en 2016, hein, donc ça fait déjà longtemps, qui permet à une banque en difficulté de pouvoir ponctionner les comptes de ses clients pour ne pas tomber en Directement. faillite. Voilà, donc comme ça, c'est clair, c'est écrit. Alors, la limite, c'est on nous dit pas au-dessus de 100 000 euros. Alors, beaucoup de gens se disent, bah, moi, je suis tranquille, j'ai moins de 100 000 euros à la banque, donc je suis tranquille. En fait, non, c'est une fausse sécurité parce que, étant donné qu'il y a une limite de 100 000 qui a été mise qui a été actée juridiquement, il y a beaucoup de gestionnaires de fortune qui ont fait en sorte d'ouvrir plusieurs comptes, ce qui fait que plus personne n'a de compte au-dessus de 100 000.
ce qui a 200 000, 300 000 ou 600 000, bah, il a ouvert plusieurs comptes pour se trouver en dessous de 100 000. Et ceux qui ont plusieurs millions, de toute façon, ils ont accès à des services financiers de fortune tout à fait spécifiques qui leur permettent d'échapper justement à ce genre de désagréments. Voilà, donc 100 000, donc la limite de 100, enfin le plancher de 100 000, à mon avis, en cas de crise, il sera rabaissé. Hein. Surtout que le fonds de garantie qui sert à indemniser les gens qui feraient, dont la banque ferait faillite, Il n'y a pas il beaucoup de a monde. abondé à autour de quelques milliards d'euros, donc c'est une somme ridicule. Hein. Et c'est Voilà, censé donc, renflouer tous les Européens lésés en cas de problème. oui, voilà, donc c'est ridicule. Donc les 100 000, ils seront rabaissés à, voilà, à 60, à 50, à 40, à 30. Voilà, ça va commencer à toucher tout le monde là. Donc Du je dis, coup, il ne faut ok. pas avoir, Ça veut dire trop quoi sur trop sa du coup? banque. Est-ce que vous pouvez chiffrer ça, grosso modo, parce qu'on sait que c'est flou, vu qu'on a acté les 100 000 euros juridiquement. Ouais. Ils peuvent en fait prendre l'argent de manière À légale, on partir de va dire. 50, il pourrait descendre à 50 ou à 30. Hein. Donc à partir de là, comment se protéger? Moi, j'ai un On compte met où PayPal où l'argent? j'ai un truc que j'ai pu entendre, j'ai un compte PayPal avec un peu d'argent, un peu de liquide dessus. PayPal, ce n'est pas une banque classique parce qu'ils ne font pas de prêts, ils ne font pas de crédit. Ils n'ont que des liquidités. On ne peut pas avoir un compte PayPal C'est en un service de négatif. paiement. Voilà. Mais on peut être créditeur. Donc moi je dis voilà PayPal pourquoi pas. Un Et peu d'argent. Bon, autrement, faire attention avec PayPal parce que ils peuvent bloquer aussi les fonds. Ils sont très pointueux des fois. Ils sont basés au Luxembourg en Europe. Le siège social est voilà. au Luxembourg. Enfin j'ai pas eu trop entendu d'affaires là-dessus, mais bon, ça me paraît assez Ok, safe. une Voilà, pourquoi solution. pas, ça peut être un complément comme ça. Je dis il faut toujours avoir un D'accord. compte PayPal et l'activer, même si vous n'avez pas d'argent dessus, il faut On l'activer. l'active. Il faut l'activer de façon à ce que si vous avez des craintes, bah de chez vous, vous pouvez faire un bank run, hein, plutôt que d'aller retirer des billets au DAP, parce que si tout le monde va le faire, il n'y en aura plus. Hein. Vous faites un virement de votre compte bancaire sur PayPal. Voilà. Et si votre banque est faillite, bah, vous avez l'argent sur PayPal, quoi. Voilà. Donc c'est voilà, c'est une petite sécurité. Moi, je dis ça ne coûte rien d'ouvrir un compte PayPal et de l'activer. Donc voilà, c'est C'est totalement gratuit, donc effectivement, il faut le faire. voilà, c'est gratuit. Voilà. Donc Ça se moi, fait je en dis, il deux faut. clics sur le téléphone ou sur l'ordinateur, Voilà, donc effectivement, c'est une bonne voilà. solution. Donc, il faut le faire. Autrement, bon, d'une façon plus globale sur les placements, les Français aiment beaucoup l'immobilier. L'immobilier, vous êtes en dehors de la banque, quoi. Voilà. Donc, l'immobilier. Maintenant, l'immobilier, c'est complexe à acheter, ça prend du temps. On ne peut J'ai pas beaucoup de vendre une questions sur partie. l'immobilier. Vous en pensez quoi Voilà. d'investir dans l'immobilier en France? Parce qu'en fait, c'est un sujet compliqué, parce que ça dépend des villes, ça Ouais. dépend évidemment d'où on est, ça dépend de quel type d'immobilier on fait. Qu'est-ce que vous avez un avis global sur ça un peu pour aiguiller les gens? Parce qu'il y a beaucoup Oui, de questions sur ce genre de sujet. je suis en train d'écrire un texte là-dessus sur l'immobilier. Le fait que aujourd'hui le taux de crédit immobilier est inférieur à l'inflation. Donc on pourrait dire ça, c'est une bonne chose pour l'immobilier parce que vous empruntez et vous allez rembourser en monnaie dévaluée parce que voilà. Mais ça marche à la condition que votre salaire suive l'inflation. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est C'est un pas le cas de la pari. plupart des gens. Voilà. Donc, c'est un pari. Ça marchait dans les années 70. Les salaires étaient indexés sur l'inflation et les taux d'intérêt étaient inférieurs à l'inflation. Donc, quand vous empruntiez, quand vous faisiez un crédit immobilier, vous remboursiez avec votre emprunt, vous coûtait de moins en moins cher. Aujourd'hui, si votre salaire est peu ou pas indexé à l'inflation, ça ne marche pas. Donc, le marché immobilier, on voit un peu partout en France, il commence un peu à ralentir ou les prix baissent un petit peu à Paris même. Voilà, donc moi je dirais investir aujourd'hui l'immobilier, ça me paraît un peu risqué parce qu'avec la récession qui arrive, avec les pertes de pouvoir d'achat dues au coût de l'énergie, les moyens des gens vont diminuer, le pouvoir d'achat des gens va diminuer, et le pouvoir d'achat, c'est aussi le pouvoir d'emprunter. Donc investir aujourd'hui dans l'immobilier, ça me paraît un peu risqué. Voilà, maintenant, si on dispose d'un bien immobilier, ben, c'est une sécurité, voilà, qui est à faire, voilà. Mais l'immobilier, pourquoi pas? Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre façon de sortir de la banque et d'avoir quelque chose d'assez liquide et qui soit facilement monnayable, contrairement à l'immobilier? Parce que l'immobilier, on achète un bien. On ne peut pas se dire, j'en vends 10% pour avoir du cash. Non, on ne peut pas. On vend tout ou rien. Enfin, bon. Donc, les autres moyens, ça que je défends depuis longtemps, c'est l'or physique et le Bitcoin, voilà. Donc ça, c'est deux moyens de sortir de la banque
et d'avoir quelque chose qui a une valeur intrinsèque, dont la valeur peut se maintenir ou même gagner en cas d'inflation, quoi. Voilà. Okay. Maintenant, c'est Pour la les valeur euros, ils ont. intrinsèque de Ouais. l'or, on la connaît à peu près tous, on va dire, dans les grandes lignes. Est-ce que vous pouvez préciser ça pour le Bitcoin? Quelle est la valeur intrinsèque du Bitcoin selon vous et pourquoi ce serait un Ouais. placement pertinent d'avenir anti-inflation et d'ailleurs peut-être anti-gouvernement? Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus dans le Bitcoin, c'est le fait vraiment qu'on soit débancarisé dans un actif qui est vraiment hors de contrôle en fait des États et des gouvernements, parce qu'on voit bien que le problème aujourd'hui, c'est bien eux, c'est bien le gouvernement. Ouais. Alors, on n'est pas complètement à l'écart du gouvernement parce que pour Bien acheter sûr. du Bitcoin ou pour acheter de l'or, il faut laisser sa carte d'identité, hein, Bien sûr. chez le vendeur d'or ou sur un site où on s'inscrit. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas complètement anonyme. En fait, Maintenant, c'est pas c'est une anonyme, mais sécurité. ça permet de se décentraliser, de se désintermédier, de se décentraliser un peu. Absolument. Mais Quand c'est on pas du tout achète de anonyme. l'or, voilà, quand on achète de l'or du Bitcoin, on est en dehors du système bancaire et on est en dehors de l'euro, hein, parce que l'euro, il se casse la figure aussi, suite à On va en ce dont on parler. parlait. L'euro, il se casse la figure par rapport au dollar. Donc là, on sort de l'euro et on sort du système bancaire. Donc ça, c'est quand même une vraie sécurité. Ensuite, moi, je dis, il faut. Alors, oui, la valeur intrinsèque du Bitcoin. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Bitcoin, ce n'est pas seulement une monnaie, c'est aussi un système de paiement qui fonctionne depuis le 3 janvier 2009, sans bug, sans voilà, avec des frais de transaction extrêmement bas. Donc ça, c'est un premier élément de valeur. C'est aussi une blockchain qui peut servir à sur laquelle on peut construire des services financiers. Donc la blockchain du Bitcoin ne sert pas uniquement à faire circuler le Bitcoin, elle peut aussi servir à d'autres choses. Et donc ces services-là, alors c'est plutôt Ethereum qui a raflé la mise sur ce terrain-là, mais il y a des projets pour faire des choses équivalentes sur Bitcoin. Et puis le troisième élément fondamental, c'est que le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions, donc c'est une ressource rare. On en est à 19 millions aujourd'hui. Mais ce sera limité à 21 millions. Il n'y a pas de planche à billets sur le Bitcoin, voilà, contrairement à l'euro ou au dollar. Donc ça donne une valeur intrinsèque. Voilà. Alors ensuite, est-ce que le cours actuel est surévalué ou sous-évalué? Bon, moi je pense qu'on est un peu sous-évalué. Je pense qu'on est à 20 000 dollars, c'est plutôt le moment de rentrer. Hein, voilà. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que il faut un horizon de placement de 3-4 ans minimum. Parce que c'est très volatile, le Bitcoin. Donc, on peut acheter et être gagnant dans 6 mois, mais on peut aussi être perdant. Donc, il faut prévoir. C'est de l'argent dont on est certain de ne pas avoir besoin sur les 3 ans, sur les 4 ans qui viennent. Et là, Ça, on c'est sera gagnant. essentiel. C'est Voilà. Alors que comme l'or, l'or. il faut vraiment avoir un horizon de temps un peu élevé. C'est vraiment une Voilà. sorte Mais sauf que l'or. d'assurance. Voilà. Sauf que l'or est quand même moins volatile. Oui, bien Donc, on sûr. peut se dire, j'achète de l'or et peut-être que j'en aurai besoin dans 1 an ou 2. Là, OK. Mais se dire ça avec le Bitcoin, c'est quand même un peu risqué. Voilà. Donc, c'est des horizons de placement différents. C'est pour ça qu'ils sont complémentaires, quoi. On peut acheter de l'or. L'or est nettement moins volatile. Donc, on peut acheter de l'or comme ça en se disant, bah, si j'ai des besoins dans 1 an ou 2, je peux taper dedans. Par contre, ce que je mets sur le Bitcoin ou Ethereum, et puis après, on s'arrête là, je pense, hein. Bah ça, j'y touche pas pendant 3 ans ou 4 ans, quoi. Voilà, minimum, quoi. Voilà. Ok. Du coup, vous pensez quoi un peu de cette idée d'étalon or et pourquoi pas d'étalon Bitcoin? Alors, l'étalon or, ça pourrait résoudre les problèmes qu'on a évoqués précédemment, c'est-à-dire notamment les fameux taux de change flottants entre les devises, pour stabiliser un peu le système international, pour éviter de la planche à billets. Ça sert à pas mal de choses. Le problème, c'est qu'on dit que c'est voilà une ressource trop limitée par rapport au volume des transactions aujourd'hui dans la finance et compagnie. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cet étalon or? Et est-ce que vous pensez que le Bitcoin, il peut jouer cette fonction d'or numérique également à l'international comme une sorte de réserve de valeur qu'on pourrait avoir aussi pour les États ou les Ouais. entreprises? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Le retour à l'étalon or, moi, j'y crois pas trop parce que ça voudra dire que les États s'interdisent le déficit budgétaire et donc ils peuvent financer leur clientèle électorale. Hein, et puis ça obligerait. Alors déjà, le cours de l'or, il faudrait qu'il explose à la hausse pour pouvoir être. Voilà. Et ça voudrait aussi dire qu'il y a beaucoup trop de dettes et qu'il y a beaucoup de dettes qui disparaîtraient. Et ça, il faudrait faire un sacré ménage, hein, qui ferait chuter pas mal d'entreprises ou d'État. Donc revenir à l'étalon or, pour moi, ce n'est pas envisageable. Maintenant, ce que je pense, enfin moi, c'est l'idée que je défends, c'est que l'or ainsi que le Bitcoin puissent redevenir des monnaies de transaction à l'intérieur des pays et aussi au niveau international.
Légaliser le Bitcoin en tant Voilà. que monnaie Voilà. vraiment d'échange. On puisse En tant payer. que monnaie d'échange, c'est-à-dire que certains. Alors, il y a deux pays qui l'ont fait, le Salvador et la République centrafricaine, où le Bitcoin est reconnu en tant que tel. Moi, je ne défends même pas que l'État, que la France reconnaisse le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal. Je demande simplement que le Bitcoin puisse être considéré comme monnaie complémentaire, comme monnaie alternative, un peu comme les monnaies locales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'acheteur et le vendeur sont d'accord, la transaction peut se faire en Bitcoin ou en Ether ou en or. Voilà. Et je dis uniquement quand l'acheteur et le vendeur sont d'accord. Je refuse qu'il y ait une obligation. C'est-à-dire, je considère qu'il ne faut même pas aller aussi loin que le Salvador. Simplement que ce soit. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que si par exemple, nous deux, on se met d'accord pour faire une transaction, je vous achète des trucs pour un Napoléon. Un Napoléon, c'est à peu près 300 euros. Bon, ça, je ne peux pas le faire parce que le Napoléon que j'ai, il faut que je déclare aux impôts la plus-value que j'ai faite depuis que je l'ai acheté et que je paye 33% sur la plus-value. Et ensuite, vous, une fois que vous l'aurez, alors déjà, ça change le prix auquel on va s'échanger. Et ensuite, vous, une fois que vous l'aurez, quand vous voudrez l'utiliser pour un paiement, vous serez obligé de faire la même chose. Donc c'est impossible à gérer. Et pour le Bitcoin, c'est pareil. C'est pareil. Même si concrètement, les gens le font pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle des cartes crypto. Donc ça, c'est une façon un peu de contourner. Ça marche parce que c'est une façon de contourner l'impôt, en fait. Vous avez une carte comme une carte bancaire. Donc le commerçant, lui, il voit rien. Hein. C'est une carte Visa ou Mastercard. Il reçoit des euros. Sauf que ce qui alimente votre carte, ce sont des cryptos que vous avez sur Binance ou sur un autre site comme ça, qui sont transformés en euros au moment de la transaction. Mais ça, formellement, d'après la loi, vous devriez déclarer chaque transaction aux impôts et calculer la plus-value réalisée. C'est-à-dire qu'au moment de la transaction, il faut calculer la plus-value de la totalité de votre portefeuille. Hein, donc, tous les Ce qui est achats que vous avez littéralement faits. impossible. Voilà, alors, il y a deux sociétés françaises qui existent qui permettent d'automatiser ça avec des tableaux Excel, tout ça. Mais bon, enfin, non, mais concrètement, c'est impossible, quoi. Mais c'est quand même utilisé parce que quand on fait ça, on paye pas la taxe sur la plus-value. Mais moi, je demande de supprimer ces taxes sur la plus-value et que le Bitcoin, l'or deviennent des monnaies complémentaires. Mais c'est ce qui est en train d'arriver. Alors, on voit que c'est en train d'arriver dans les pays émergents qui subissent beaucoup d'inflation. On le voit au Venezuela, on le voit en Argentine, en Turquie, au Liban, où le secteur bancaire a complètement disparu, hein, du jour au lendemain. Donc, on le voit au Nigeria aussi, parce que leur monnaie, la naira, est très volatile, il y a beaucoup d'inflation, tout ça, il y a un contrôle d'échange. J'ai regardé la Et cour les il n'y a pas gens, longtemps de la monnaie du Nigeria, c'est vrai que c'est catastrophique là-bas. voilà. Et donc, les gens utilisent Bitcoin dans la vie courante pour des transactions. Et je pense qu'on va aller vers ça. Alors en Europe, on n'y est pas encore, mais parce qu'on a encore que 10% de l'inflation. Donc, mais si on dépasse les 20, les gens vont commencer à transpirer, quoi, et à se poser des questions sur d'autres moyens d'échange monétaire. Et à ce moment-là, peut-être que Bitcoin pourrait aussi devenir une monnaie d'échange. Alors qu'en Europe et aux États-Unis, si on achète du Bitcoin, c'est un placement, point à la ligne. Bon, les gens n'utilisent pas, quoi, ou très peu, quoi. Et Vous donc, je pensez que pense qu'à les... l'avenir, voilà, je pense qu'à l'avenir, c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que de plus en plus, les cryptos, l'or, enfin, et l'or peut-être, mais sur les cryptos, c'est plus facile parce qu'il suffit de télécharger un wallet sur son smartphone et on peut commencer à envoyer et recevoir des cryptos. C'est très facile à faire. Et tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça qui va, à partant de la base, qui va contribuer à développer les transactions en Bitcoin, en Ethereum et puis aussi en stablecoin. C'est-à-dire on peut utiliser aussi l'USDC ou l'USDT, hein, c'est égal à 1 dollar. Et donc là, il n'y a plus le problème de la volatilité et on peut payer en dollars n'importe qui très facilement, quoi. Oui, c'est intéressant. Et vous avez parlé de l'Ether. Du coup, vous, est-ce que le Bitcoin a des caractéristiques spécifiques ou on pourrait autoriser également d'autres crypto-monnaies? Peut-être les stablecoins, l'Ether. Est-ce qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui vous viennent en tête, peut-être? Moi, je dis qu'il faut être assez prudent. Si c'est un placement, si c'est un placement de long terme, il faut mettre Bitcoin et Ethereum. Et je dirais Bitcoin numéro un, Ethereum ensuite, à un niveau élevé. Ensuite, on peut s'amuser à acheter d'autres, bon, éventuellement, mais ça, c'est quand même plus risqué. Dire qu'il faut étudier chaque projet, chaque monnaie, quoi. Voilà. Donc, Bien sûr, bien sûr. Vous avez et entendu comme parler monnaie de de Monero? transaction, alors comme monnaie de transaction, oui, alors il y a.
Il y a Monero ou Zcash ou Do, ce sont des monnaies anonymes, c'est-à-dire que on peut envoyer un paiement à quelqu'un et on ne peut pas être tracé, normalement. En fait, je pense que ce n'est pas vrai parce qu'il y a déjà la Station Analysis, qui est société américaine, qui a dit qu'elle avait cassé le code de Monero, donc on peut retrouver. Bon, voilà, donc je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est. Mais en tout cas, voilà, ça me semble. Mais en tout cas, il y a des monnaies anonymes. Mais ceci dit, c'est quand même un peu risqué parce que récemment, il y a un mixeur, c'est l'affaire Tornado Cash. Un mixeur. Alors, un mixeur, ça fait la même chose, mais avec ses bitcoins. C'est-à-dire qu'on envoie des Ethers. Alors, non, c'est Ether d'ailleurs, ça marche. Avec des Ethers. On envoie des Ethers. On veut envoyer des Ethers à quelqu'un, mais on ne veut pas que la transaction puisse être suivie. Donc, on envoie des Ethers sur Tornado Cash. Ils sont mélangés. Et puis, quelques jours après, ces Ethers-là sont envoyés à quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas relier cette personne à vous à l'origine. Sauf que Tornado Cash a suscité une levée de bouclier des États et ça a été interdit aux États-Unis. Il y a même un programmeur aux Pays-Bas qui a été emprisonné pour ça, alors que c'est un logiciel en open source, quoi. Donc, C'est une première mondiale, ça, cette histoire. voilà, C'est une voilà, première mondiale qu'un voilà. développeur d'un logiciel totalement Voilà. Open source en libre, plus. open source, se fasse arrêter Se directement fasse par les arrêter autorités. alors qu'il n'a rien responsable des transactions qui ont été effectuées avec. Voilà. Donc les États n'aiment pas trop ça. Et je pense que Logique. ils n'aiment pas Monero non plus. D'ailleurs, Monero est délisté de plusieurs exchanges, hein, Exchange. ce qui fait que sa valeur diminue. Monero, je me rappelle, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il était dans le top 20. Il était juste après le top 10, hein, il était 12e ou 13e crypto. Et maintenant, ils sont nettement plus bas. Donc, celui qui a acheté les Monero il y a 2 ans, il a perdu, quoi. Donc, Bon, on après, ça, utilise c'est pour toutes les Monero. cryptos, entre guillemets. Oui, mais enfin, non, mais non, le fait qu'il ait glissé dans le classement, ça veut dire qu'il a plus baissé que les autres. Ah oui, ok. Ouais, Sa pertinence dans le top des cryptos. Ouais. voilà. Après, toutes Donc, les cryptos ont perdu en valeur, mais c'est vrai que, bah, voilà. vu qu'il est Mais assez celle-là, délégitimé, plus, c'est vrai ouais. que c'est un produit un Voilà. peu limite, forcément, vu que plus c'est anonyme, Mais plus les États. maintenant, voilà. Le problème, c'est que ces monnaies-là sont utiles, hein. Parce que si un Russe veut envoyer de l'argent à l'Ukraine, il a intérêt à utiliser Monero ou Tornado Cash, hein, parce que sinon, il va avoir le FSB qui débarque, ou tous ceux qui en ce moment, tous les manifestants en Iran en ce moment, s'ils ont des besoins d'argent pour organiser des manifestations ou autres, ou aider des gens, il faut qu'ils puissent le faire avec des cryptos anonymes ou en utilisant Tornado Cash, sinon ils seront repérés par la police politique iranienne. Donc moi, je défends le fait que Tornado Cash ou que Monero puisse exister et puisse être utilisé, parce que ça fait partie de la vie privée et de la liberté de chacun. Voilà. Il ne faut pas que toute notre transaction puisse être tracée. Voilà. Le problème, c'est que c'est pas, on ne va pas dans cette direction-là en ce moment, quoi. Du coup, est-ce que vous pensez, ça c'est une question qui revient régulièrement, que vous pensez que des crypto-monnaies comme le Bitcoin et l'Ethereum, vu leur attractivité à l'international, que ce soit par les consommateurs et même les entreprises, et pourquoi pas les États demain, il y a souvent cette critique qui vient sur la table, oui, mais les États peuvent les interdire du jour au lendemain. Ce qu'on constate, c'est que par exemple, les États-Unis ont accueilli énormément de fermes de minage suite aux sanctions de la Chine vis-à-vis de ce secteur-là. Moi, j'ai pas l'impression que c'est un argument pertinent. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ça? Est-ce que pour vous, du coup, le Bitcoin, l'Ethereum et puis ce genre de crypto-monnaie ont un réel avenir et est-ce que les États ont réellement intérêt à les interdire parce que ça devient trop dérangeant? Encore une fois, on a dit tout est dans la blockchain avec ces crypto-monnaies, donc en fait, tout est traçable et c'est même limite utile. Et d'ailleurs, certains collègues comme Marc-Gabriel Draghi stipulent que ce n'est que ces cryptos ne sont que le marchepied aux monnaies numériques de banque centrale. Ah Je voulais non. savoir, on va faire point par point. Déjà, est-ce que vous pensez que ces crypto-monnaies peuvent être interdites par les États? Est-ce qu'ils y ont intérêt? Est-ce que vous pensez que c'est un scénario envisageable, peut-être potentiellement à 10%, 20%? Est-ce que vous pensez que c'est Alors, intéressant pour les États de faire ça? interdire, non, il n'y en a quasiment aucun dans le monde qui fait ça, ou ceux qui l'interdisent, de toute façon, les gens, ils continuent de faire des transactions avec. Interdire l'or, ça peut être fait, parce que Franklin Roosevelt, en 1934, a interdit la détention d'or, mais ça, c'est quelque chose de physique, on ne peut pas franchir la frontière avec, c'est un peu compliqué. Donc, alors que le Bitcoin, si un pays interdit Bitcoin, les gens peuvent facilement transférer leur Bitcoin à l'extérieur. C'est très très dur. Voilà, et donc ce sont les autres pays qui profiteront de cette richesse et de l'écosystème, parce que ce n'est pas que Bitcoin et Ethereum, il y a un écosystème d'entreprises qui se crée autour.
et ce serait se tirer une balle dans le pied. Donc les États-Unis ne feront pas ça, l'Europe non plus. Maintenant, ils veulent faire une réglementation, ils veulent contrôler. Bon, mais l'interdiction, pour moi, c'est pas envisageable. Et j'ai envie de dire, si jamais les États allaient vers une interdiction, ça voudrait dire qu'ils sont au bord de la faillite, hein, que le secteur bancaire est au bord de la faillite. Et donc, ce serait une raison de plus d'acheter les bitcoins voilà, pour le jour d'après. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des monnaies numériques de banque centrale ? Oui, alors là, les MNBC, On a eu une information surréaliste de Bruno Le Maire qui a demandé accès directement aux comptes bancaires des Français. Hallucinant. Bon, ça ne va pas se faire, je pense, mais c'est quand même incroyable qu'on ait ce genre de déclaration. Et là, moi, je vois toute la pertinence de monnaies décentralisées, comme le Bitcoin, comme peu importe. Absolument. Mais avec les MNBC, la banque centrale pourrait avoir accès à toutes ces informations-là. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on va vendre. Donc, c'est aussi le projet des banques centrales, c'est-à-dire c'est à la fois de proposer une monnaie qui soit fun comme le Bitcoin, c'est-à-dire qu'on pourra s'échanger sur notre smartphone, on pourra faire des paiements entre amis en euros, alors qu'aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, il faut passer par sa banque, il faut le RIB, ça prend un peu plus de temps, ça peut prendre une journée entre le virement. Bon, là on pourra faire ça plus rapidement, donc il y a le côté un peu nous aussi on est aussi moderne que le Bitcoin, et en même temps c'est aussi une façon de contrôler les dépenses et puis d'aller vers la disparition du cash de façon à pouvoir tracer la totalité des transactions, quoi. Et on voit que le pays qui est le plus en avance sur ce terrain-là, c'est la Chine, parce que pour eux, ça rentre dans le cadre du crédit social et c'est un outil formidable pour pouvoir pister les gens sur tous leurs achats, quoi. Voilà. En Europe, c'est un peu différent. En Europe, aux États-Unis, bon, c'est des projets qui vont prendre plusieurs années. Bon, voilà, on verra si c'est effectivement utilisé. Il faut savoir, ça ne plaît pas trop aux banques, hein, parce que aux États-Unis, les banques commerciales ont fait un communiqué pour dire que le dollar numérique, elles n'en voulaient pas, parce que si jamais il y avait des craintes ou des rumeurs sur une banque, les clients basculeraient tout leur compte sur le dollar numérique de banque centrale, c'est-à-dire que là, il y a une sécurité absolue, parce qu'une banque centrale ne fait pas faillite, hein, par définition. Et donc, la banque verrait tous ses clients et tous ses fonds disparaître du jour au lendemain. Et là, elle se retrouverait effectivement en faillite. Donc les banques commerciales américaines ont dit ça ne nous plaît pas trop. Donc, moi, il n'est même pas sûr que ça se fasse parce que ça m'a l'air très compliqué. Déjà, on parle d'un MNBC de gros entre les banques et les grandes entreprises et puis une version de détail pour les particuliers. Mais comment les deux vont s'articuler ? Enfin, on est en train de construire un truc très compliqué. Et vous pensez que ça ne va pas émerger parce que les plans sont quand même. J'avais vu une carte de l'état justement des monnaies numériques dans le monde et il suffirait juste. En fait, ils veulent juste faire exactement pareil, sauf qu'on puisse vraiment tout pister de A à Z et qu'on puisse savoir en fait en quelques clics vraiment qui est le destinataire du compte, qu'est-ce qu'il y a, etc. C'est pour vraiment clarifier. Mais si ils font ça, mais moi j'ai envie de dire qu'ils y aillent, hein. Ça fera une excellente publicité pour le Bitcoin. Parce que les gens comprendront l'intérêt de Bitcoin. Tout à fait, c'est clair. Si on les oblige à utiliser des MNBC, donc si la BCE veut y aller, qu'elle y aille. je m'inquiète pas. C'est bien. qu'est-ce que vous pensez de ces monnaies alternatives comme le franc libre ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On a Alexandre Juvin Brunet, un Français, qui a commencé à battre monnaie sur le franc libre. Vous en avez entendu parler ? J'ai entendu parler. Moi, je me dis ça, il faut se méfier parce que justement, là, on rentre dans un système centralisé. Qu'est-ce qui garantit que cette personne va émettre tant de francs libres et pas 10% en plus qu'elle va offrir à ses amis discrètement? Bon, et puis si un franc libre égale un euro, j'ai envie de dire quel intérêt, hein, parce que ça veut dire que le franc libre va subir la même inflation que l'euro, c'est-à-dire 10%. Et puis si l'euro s'effondre, si l'euro explose un jour ou l'autre, le franc libre, il suivra, hein. Donc, c'est ça, donc techniquement, indexer une nouvelle monnaie sur l'euro, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ben, je ne vois pas l'intérêt. Hein. C'est... Alors qu'avec l'or et le bitcoin, vous êtes déconnecté de l'euro. Alors, il y a un cours en euros, mais justement, mais si l'euro s'effondre, le cours de l'or va monter à proportion. Tout à fait. Et le bitcoin, pareil. Donc pas d'inquiétude. Par contre, le franc libre, comment il va survivre, ça me paraît un peu compliqué. Quoi. Voilà, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Et puis, quel commerçant va accepter le franc libre? Bon.
Ouais, ça me paraît compliqué aussi, surtout que les Mmh. crypto-monnaies aujourd'hui, c'est quand même une technologie qui est facilement accessible, entre guillemets facilement, mais au moins ça, Ouais. on peut fluidifier les échanges de personne à personne, même partout dans le monde. Donc c'est quand même une technologie assez incroyable et il faut à mon avis la prendre en main. Et si on veut faire un franc, il faudrait peut-être la faire sous forme de blockchain avec des règles très précises, immuables, un peu Mais comme même le ça, j'ai envie Bitcoin. de dire, si vous voulez une monnaie alternative, prenez Bitcoin. Parce que là, vous avez une vraie liberté, vous avez un système qui n'est dirigé par personne, alors qu'Ethereum, ça dépend quand même d'une fondation, ça dépend de Vitalik Buterin. Bon, Bitcoin, avec Bitcoin, personne ne peut mettre la main dessus. Donc là, vous avez une vraie liberté, quoi. Voilà. Donc, si vous voulez sortir du système bancaire, allez vers Bitcoin, quoi. Voilà, c'est pas. Je me rappelle à un moment, au moment de la crise suprême, Eric Cantona avait dit, ras-le-bol des banques, allez au DAB et videz votre compte en retirant des billets, quoi. Le Il problème, s'était c'est que fait ça taper sur marche les doigts pas. à cette époque. Non, non, mais en même temps, je trouvais amusant son mot d'ordre. Mais le problème, c'est qu'il ne marche pas parce que très vite, il n'y a plus d'argent dans les DAB. Il n'y a plus de billets dans les Ouais. DAB. Alors que si vous voulez sortir du système bancaire, bah, c'est très simple. Achetez du Bitcoin et laissez un minimum sur votre compte en banque. Laissez une épargne de précaution sur votre compte en banque. De toute façon, vos prestations sont versées en euros. Donc, il faut garder un compte en banque. Et vous laissez une épargne de précaution en cas de coup dur en euros. OK, c'est ce que je fais. Et puis dès que vous avez des montants importants, vous mettez ça en Bitcoin, quoi, voilà. Ou tous les mois, vous mettez une partie en Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le DCA, le dollar cost average. C'est-à-dire, c'est le fait de dire, tous les mois, compte tenu de mes revenus et de mes dépenses, j'ai une capacité d'épargne de temps. Alors, il y a une partie que je laisse en euros sur mon compte en banque. Et puis une autre partie, je vais l'investir en Bitcoin et vous programmer un virement automatique. Et voilà, et comme ça. C'est une autre façon aussi, quoi. Voilà. Mais là, vous sortez du système bancaire. Je rappelle que pour être vraiment propriétaire de Bitcoin et autres crypto-monnaies, il faut absolument les sortir des courtiers également. Donc, quand vous achetez un Bitcoin, en général, c'est via un exchange. Et donc, si vous voulez vraiment être propriétaire pour justement ne plus avoir l'intermédiaire, que ce soit un courtier, une bourse ou une banque, il faut la sortir et la mettre sur une clé Ledger. Et c'est ça qui va vous Absolument. permettre d'être réellement libre et propriétaire de votre crypto-monnaie. C'est vraiment essentiel à comprendre parce que si vous achetez un Bitcoin et que vous le laissez sur Binance ou sur crypto.com ou peu importe, dans votre compte Revolut, ça ne vaut en fait strictement rien. C'est juste un asset et on peut On vous va pas dire confisquer de A à que Z. ça vaut rien. On va pas dire que ça vaut rien. Mais disons que On va dire que les possibilités vous vous de exposez à un confiscation, risque. voilà. Voilà, vous exposez à un risque d'abord d'un hacker. Enfin, je connais quelqu'un qui avait un compte Binance, il s'est fait siphonner son compte. Hein. Donc, vous exposez au risque d'un hacker qui peut trouver vos mots de passe et vous vider votre compte. Et vous vous exposez à la plateforme elle-même. Alors, Binance est le numéro un mondial. Mais enfin, ceci dit, Mt. Gox en 2014 aussi, c'était le numéro un mondial. Si Binance fait faillite, vous perdez vos bitcoins. Donc vous pouvez les mettre sur une clé Ledger et là vous en êtes le seul propriétaire. Donc c'est évidemment quand on a des montants un peu importants, il vaut mieux mettre une clé Ledger, quoi. Ça Une clé c'est Ledger, assez ça permet clair. d'avoir quelque chose de physique sur lequel vraiment t'es Voilà. inviolable, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un presse Ouais. physiquement sur la clé pour que vous Voilà. puissiez valider un échange ou une transaction ou que sais-je. Absolument. Donc c'est Et vraiment si vous important perdez cette d'avoir clé. ça. Voilà. Et même si vous perdez la clé, il y a un système pour les retrouver. Donc, bon. Il y a un backup. Il suffit d'avoir ces Voilà. 24 mots, c'est le point essentiel. Voilà, On peut récupérer c'est tous ces ça. fonds, même si vous perdez cette fameuse clé physique. Enfin, il y a plein de choses à étudier dans ce sens. C'est vraiment pertinent dans vraiment le cadre d'une Alors, c'est vrai, décentralisation. vous faites bien d'en parler parce que ça prend un peu de temps, tout ça. Le Ah simple non, mais fait de c'est pas simple. d'ouvrir un compte sur Binance, faut envoyer sa carte d'identité, machin, faut se prendre en photo avec un C'est code, pas le plus dur, ça ça. prend du temps. Mais ça prend du temps, mais je veux dire, c'est pas accessible forcément à tout le monde. Bien sûr, Il y a un je le coût sais, je d'entrée. travaille dans ça, donc. Voilà, il y a un coût d'entrée, il faut en être conscient. C'est plus simple de rester dans sa banque et puis de téléphoner et de dire virez-moi telle somme sur l'assurance vie. C'est plus simple. Le problème, c'est que dans le contexte actuel, c'est quand même un peu risqué, quoi. Voilà. Et Totalement. qu'il faut avoir de l'argent en dehors des banques. Et ça prend un peu de temps. Acheter de l'or aussi, c'est un peu compliqué. Enfin, quand on habite Paris, on va à Rue Vivienne. Sinon, voilà, c'est un peu plus compliqué. Voilà, il y a un coût d'entrée, mais il faut passer un peu de temps là-dessus parce que c'est son épargne et qu'on en aura besoin et qu'il ne faut pas se la faire siphonner en cas de crise bancaire, quoi. Voilà. Ben surtout quand on a travaillé pendant de longues années, on Voilà, a ses c'est dues. le produit de Si c'est pour travail. se faire confisquer par l'impôt, les taxes, l'inflation, Absolument, c'est hors de c'est. question. Il faut absolument prendre le temps d'agir et de réfléchir sur ce genre de Voilà. thématique.
Absolument. Est-ce que vous avez d'autres idées du coup pour okay, sortir ces euros? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tiens, on n'a pas parlé des devises. Est-ce que vous avez des idées de devises? Bon, j'imagine que vous n'êtes pas trop favorable à l'euro, vous me confirmez ça. Est-ce que vous pariez sur d'autres devises? Est-ce que c'est intéressant d'aller, je sais pas, sur d'autres devises, la livre sterling, le dollar, le franc Franchement, suisse? je vais vous dire, les devises, c'est pas mon rayon, donc je ne vais pas vous parler de Ok, ça. Personnellement, très bien. j'ai pas de devise. Ça peut être une bonne chose d'acheter du franc suisse ou qui se tient très bien. Voilà, maintenant, concrètement, je ne sais pas comment on fait, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, quoi. Ouais. Mais Ben ça, pourquoi en pas les finance devises aussi? décentralisée, on peut le faire. Ouais. Finance Voilà. décentralisée, on peut acheter des francs suisses. Alors Bon, moi, je oui, plaide pour le dollar depuis des années, et bon, on peut c'est quand acheter. même le meilleur pari, quoi. C'est vrai qu'une fois qu'on est en crypto, sur Binance, on peut acheter de l'USDT ou de l'USDC et on achète du dollar. Et comme le OK. dollar prend de la valeur par rapport à l'euro, enfin c'est plutôt l'euro qui se casse la figure, voilà. Donc, mais bon, voilà, c'est une façon d'avoir un peu d'épargne qui, elle, est un peu liquide. Parce qu'évidemment, comme c'est le dollar, ce n'est pas volatile comme le Bitcoin. Donc c'est de l'épargne qu'on peut mettre un peu de côté et on peut puiser dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Parce que c'est relativement stable, alors que sur le Bitcoin, comme je disais tout à l'heure, il faut pas y toucher pendant 3-4 ans, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres solutions alternatives du coup? Donc là, on a parlé de pas mal de sujets. La bourse, les marchés financiers, on voit que dans des pays comme la Turquie, où il y a une méga inflation également, les gens se sont massivement réfugiés dans des obligations d'État, dans l'immobilier et également sur les marchés financiers, qui ont beaucoup plus performé que la devise qui est en train de s'écrouler et puis l'inflation qui est en train de puiser l'argent de tout le monde de manière subreptice, parce que c'est ça le problème toute cette économie, c'est qu'on s'en rend pas compte en fait. On constate bien sûr les prix augmenter, mais même la dévaluation monétaire, ça on ne s'en rend pas compte. À l'œil nu, on ne se rend pas compte que la valeur de notre argent en fait a littéralement baissé de 50% en 10 ans, quoi. Est-ce que vous avez d'autres idées du coup, les marchés financiers, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors, le marché financier, moi, je ne suis pas ça de près, mais je ne conseillerais pas, enfin, rentrer sur les actions aujourd'hui alors qu'on va se taper une récession. Je ne pense pas que ce soit le bon moment, quoi. Voilà, acheter des actions aujourd'hui. Si on a déjà un portefeuille depuis longtemps, pourquoi pas en garder une partie, mais je dirais, mettez-en quand même sur l'or et sur le Bitcoin. Bon, mais rentrer aujourd'hui sur les actions, pour moi, non. Le FMI vient de sortir encore des chiffres comme quoi la croissance dans le monde va ralentir, et spécialement en Europe. Hein, les actions, dans ce cadre-là, elles ne peuvent pas surperformer, quoi. Voilà, et puis, les actions, elles ont été gonflées grâce à la planche à billets depuis des années. Pour moi, c'est risqué de rentrer sur le marché actions aujourd'hui. Donc, perso, je ne le conseille pas. Après, qu'est-ce qu'il y a comme autre marché? Il y a des marchés qui performent bien depuis longtemps. C'est le marché de l'art, notamment art contemporain, c'est les voitures de collection. Voilà, maintenant, ça, ce sont des marchés qui sont très complexes. Il faut connaître. Hein? Si on ne connaît pas, on n'y va pas. Parce que maintenant, si on est un connaisseur de ce secteur-là, ou si on peut se référer à quelqu'un qui s'y connaît, voilà, bon, je dis pourquoi pas. Mais c'est très complexe. En général, Ouais, c'est trop compliqué. pour que ça marche bien, il faut acheter le top, quoi. C'est-à-dire, si vous faites de la bande dessinée, il faut acheter des planches d'Hergé. Si vous faites des voitures collection, il faut acheter une Ferrari ou une Aston Martin, une série limitée ancienne, voilà. Il faut acheter la crème. Si vous achetez un Picasso, c'est bon. Si vous tapez dans la catégorie en dessous, vous prenez des gros risques, quoi. Et donc, pour acheter le top, il faut déjà avoir pas mal d'argent, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt ouvert aux gens qui ont déjà pas mal d'argent et qui ont les bonnes infos pour avoir les œuvres. Mais ce n'est pas un marché grand public, le marché de l'art. Voilà. Parce que si on achète des œuvres à des prix accessibles, là, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se dire je vais protéger de la valeur pendant 10 ans ou 20 ans, quoi. Voilà. Donc. J'étudie un peu le sujet, c'est trop complexe à mon avis, et c'est encore plus complexe de proposer ça à, on va dire, à un collectif, c'est-à-dire à plusieurs Ah ouais, personnes. Il faut absolument. vraiment Oui. connaître le sujet. Donc c'est pas une Voilà. solution grand public pour moi, c'est vraiment c'est Absolument trop. pas, absolument pas. Mais ça Alors existe que parce les que. crypto-monnaies et l'or, c'est Voilà. quand même des solutions Voilà. qui sont plus C'est-à-dire accessibles, que le quoi. Bitcoin, l'avantage aussi, le Bitcoin et l'or, ce sont des biens homogènes. Une fois qu'on a compris ce que c'est que l'or et pourquoi ça a de la valeur, et une fois qu'on a compris le Bitcoin, on n'a plus à se prendre la tête, quoi. Le Bitcoin, c'est toujours le même. Alors que l'immobilier, chaque bien immobilier est unique. Hein? Donc c'est plus compliqué, on n'achète pas ça au hasard, quoi. C'est chaque bien immobilier. Et puis, il faut avoir des connaissances. Moi, je ne sais pas juger de l'état du système de la plomberie ou du réseau électrique, quoi. Et
pourtant, quand on achète, il faut savoir avoir le coup d'œil, quoi. Donc, il faut des compétences et chaque bien immobilier est unique. Avec, l'avantage de l'or et du Bitcoin, c'est que voilà, c'est une fois que vous avez compris, vous pouvez en accumuler. Voilà, c'est sa nature ne change pas. Voilà. Et pour le Bitcoin, justement, il y a une critique aussi qui vient régulièrement que j'ai vu rapidement dans le chat. C'est si les réseaux électriques s'effondrent, s'il n'y a plus Internet, si par exemple là, avec la guerre russo-ukrainienne, on commence à aller attaquer ce qu'il y a un peu sous les mers, c'est-à-dire des câbles qui font transiter les données numériques. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? Comment on peut se prémunir de ce genre de truc? Alors ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème au Bitcoin. Hein. La blockchain ne sera pas déstructurée ou détruite par ça. Enfin, il faudrait qu'il y ait une coupure. Il faudrait qu'il y ait une éruption solaire qui coupe toute l'électricité sur la planète, évidemment. Ben, on risque de tous d'être grillés à l'occasion. Donc, voilà. Mais en dehors de ça, non, il n'y a aucun risque sur la blockchain. Maintenant, si nous-mêmes, on est privés d'Internet ou d'électricité, ben, effectivement, on ne pourra pas utiliser nos bitcoins. Mais dès qu'on a un peu d'électricité, on peut brancher un PC ou un smartphone et puis utiliser ces bitcoins. Hein. Donc, non, ça, ce n'est pas un risque. Et j'ai envie de dire, quand on a une clé Ledger, parce qu'il y a une batterie dans la clé Ledger, c'est portable. On a une clé Ledger, si on peut l'allumer, on peut échanger des bitcoins avec quelqu'un d'autre qui a une clé Ledger allumée. Et pour là, il n'y a pas besoin d'électricité vu qu'il y a une batterie. Donc il y a un temps également de latence. Acheter des batteries externes, trouver un moyen solaire pour charger vos outils. Puis ça peut être bien. Ok, bah du coup, vous êtes assez bon père de famille dans vos investissements. Vous ne faites pas de bourse, vous êtes plutôt immobilier, or. Ok, Bitcoin, c'est un truc un peu nouveau, ça vous a intéressé. Mais vous n'êtes pas dans des marchés trop spéculatifs. Vous avez vraiment la vision bon père de famille. Enfin, on va dire traditionnel. Dire ça du Bitcoin, c'est un petit peu aller vite parce que non, beaucoup de gens considèrent que Bitcoin, c'est quand même ultra volatile, plus que la bourse. Enfin, plus. J'ai vu que Netflix avait perdu plus de 70% de sa valeur depuis son plus haut, donc c'est un peu. Donc, ça n'a rien à envier au Bitcoin. Voilà, mais Bitcoin, non, on ne peut pas dire sa façon de père de famille. C'est plus. Oui, bien sûr. Je disais tout sauf le Bitcoin. Oui, voilà. Bitcoin, c'est, on sort du champ. Non, mais les actions, bon, c'est. Moi, je considère qu'il y a un coût d'entrée important. Il faut y passer du temps ou il ne faut pas le faire. Voilà. Et puis, les actions, c'est chaque action est unique. Chaque action, c'est une entreprise. Donc, ça demande beaucoup de travail. Voilà, moi, je n'ai pas envie de faire ce travail. Voilà, donc. C'est plus simple d'acheter du Bitcoin et de l'or, quoi. Voilà. Ok. Il y avait un point sur ce que vous avez dit sur PayPal. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une polémique il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si vous avez entendu. Oui, j'ai vu ça, oui. PayPal qui disait qu'ils allaient mettre une amende pour les gens qui, soi-disant, donnaient des informations sur Internet. Fausse, ouais, voilà. Mais il y a une levée de bouclier. Il y a une levée de bouclier aux États-Unis de plusieurs personnalités qui ont dit « Si c'est comme ça, je ferme mon compte. » Et PayPal a rétro-pédalé complètement. Effectivement. Donc, je pense que ça va leur servir de leçon et voilà. PayPal, c'est pas un réseau social. Hein. On ne publie pas. Il faut qu'il y ait une décision de justice pour vous priver de votre accès à PayPal et à vos comptes bancaires. C'est une décision de justice, quoi. C'est pas PayPal qui va. C'est pas Twitter qui va fermer. Comme Twitter ferme les comptes comme ça dès que vous parlez certains sujets un peu chauds. Ouais. Twitter ferme des comptes. Mais Twitter, c'est un réseau social. Donc, mais PayPal, on publie pas de contenu. Hein, donc voilà, alors si vous faites un virement à Daesh, vous allez peut-être perdre votre compte PayPal, mais si vous l'utilisez normalement, voilà, c'est bon, quoi. Non, je pense pas qu'il y a de risque de ce côté-là, quoi. C'est quand même dingue, cette volonté de toutes ces instances centralisées, de vouloir vraiment contrôler les choses. On va contrôler le discours des gens, et puis après, on va bloquer les fonds. C'est quand même hallucinant, quoi. Et quand Bruno Le Maire nous dit, pour revenir à ce sujet, de venir voir les comptes bancaires directement, mais qu'est-ce qu'il veut, en fait? Ben, il veut pouvoir contrôler les gens. On a vu ce qui s'est passé au Canada lors de la grève des routiers. Les camionneurs, voilà, où plusieurs ont vu leur compte bancaire fermé. Et ça intéresse beaucoup les États. Et je pense qu'il y a aussi cette idée-là derrière l'idée de Bruno Le Maire de pouvoir avoir un accès au compte. C'est de pouvoir bloquer tout de suite les gens qui commenceraient à monter des opérations type gilet jaune ou camionneurs canadiens, quoi. Voilà, ce type-là, quoi. Donc, il y a une façon de contrôler les gens. Et ça, c'est vrai que bah, pour y échapper, aller vers Bitcoin, quoi. Voilà, quoi. Faut absolument, du coup, diversifier son épargne et son patrimoine pour éviter, justement, ce genre de blocage à l'avenir. Parce dès qu'on va émettre un avis négatif sur quoi que ce soit demain, bah, ça va être vraiment le système à la chinoise. Hein. Demain, vraiment, tout sera contrôlé. Et en plus, avec les réseaux sociaux, on peut scruter vraiment tout ce que vous dites et on peut vous retrouver très facilement, quoi. C'est assez hallucinant.
Je voulais discuter un peu d'écologie pour finir. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, vous en parlez pas mal, surtout dans un aspect un peu idéologique. Alors, le gouvernement parle Non, souvent scientifique. enfin, le gouvernement, du coup, on parle d'un aspect idéologique, on va dire. Et la sobriété, la fameuse sobriété énergétique, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu que vous avez eu pas mal de réactions à ce sujet. Pour vous, il faut refuser cette sobriété. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui, selon vous, ben, on ne devrait pas accepter d'abaisser notre niveau de vie, de commencer à consommer moins, produire moins? Quel est le problème avec ça pour vous, fondamentalement? Non, déjà, il faut refuser la sobriété parce que c'est un comportement de perdant, c'est un comportement de décroissance en fait. Derrière l'idée, c'est la décroissance. Et puis la sobriété, c'est aussi pour le gouvernement, s'il y a des coupures cet hiver, ils diront bah, c'est à cause des Français qui n'ont pas été suffisamment sobres. Et ça, je le refuse parce que c'est la politique énergique des gouvernements qui est responsable de nos difficultés d'aujourd'hui. Hein, donc. Au lieu de faire la sobriété, ils devraient rouvrir Fessenheim, hein, déjà, ça ferait une centrale en plus. Et puis, ils devraient arrêter les éoliennes. Voilà, donc oui, comme vous disiez, ça fait longtemps que j'en parle parce que j'ai publié une étude en octobre 2000, l'année dernière, en 2021, sur la transition énergétique, où je montrais tous les dégâts que ça allait produire en termes déjà de hausse des prix, hein, comme on disait tout à l'heure, et puis aussi la destruction de secteurs entiers comme l'automobile. Aussi la dégradation que ça allait faire sur le marché du logement, parce qu'avec avec le diagnostic de performance énergétique, maintenant il y a plein de logements qui ne pourront plus être loués. Je trouve ça hallucinant. Il y a déjà un manque de logements en France, mais là ils seront quasiment interdits à la vente, donc on va restreindre l'offre de logements et donc ça va faire augmenter les prix, hein, comme si les prix n'étaient pas assez élevés en France. Voilà, on a toute une politique. La transition énergétique qui est vraiment nocive. Et voilà, donc je m'élève contre ça depuis, voilà, depuis un certain temps, quoi. Vous pensez que le stade suprême, alors on a vu avec, alors je ne vais pas trop parler du sujet, comment dire ça, avec les passes qu'on a eues récemment, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir également des passes énergétiques justement pour contrôler petit à petit les déchets carbone que l'on pourrait émettre en marchant, en se promenant, voilà, en prenant sa voiture, comment ça se passe? On voit déjà que les Chinois commencent à réfléchir à ce genre de stratégie et puis on peut mettre en place aujourd'hui des outils très très sophistiqués, tout simplement avec un smartphone. Hein. On peut tester à peu près tout ou alors avec une Apple Watch, on peut quand même voir pas mal de choses. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est un scénario envisageable selon vous? Et d'ailleurs, ça fait le lien avec quelque chose que je connais aussi, c'est le Great Reset qui parle un peu de toutes ces transitions écologiques, énergétiques et compagnie. Comment on peut faire le lien avec tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est-à-dire que le pass sanitaire, ça a donné pas mal d'idées au gouvernement et il a vu que la population était assez docile. Et pour accélérer cette transition énergétique, bah, pourquoi pas faire un pass énergétique où on va commencer à comptabiliser vos émissions de CO2, ce qui est très facile à faire à partir du moment où on peut vous localiser. Si vous activez la localisation, on peut voir si vous êtes chez vous, si vous êtes dans le train, si vous êtes en voiture, est-ce que vous avez une voiture thermique ou électrique, si vous prenez le métro. Enfin, tout ça, c'est très simple à faire. Ou si vous prenez l'avion. Et là, on peut reconstituer très facilement vos émissions de CO2. Voilà, et donc ce serait une atteinte à la vie privée, mais bon, je pense qu'on va vers ça. Et vous parlez du Great Reset. Moi, j'ai lu le livre de Klaus Schwab parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent autour de ça. Dès qu'on utilise le terme Great Reset, on se fait traiter de complotisme. Je dis, attendez là, vous avez lu le bouquin de Klaus Schwab, ben, il est public, n'importe qui peut le lire. Moi, je l'ai lu. Et Ouais. moi, ce qui m'a frappé dans le livre de Klaus Schwab, et c'est là où je le trouve très intéressant à lire, c'est que lui, il relie la crise sanitaire avec la crise écologique. Il dit, on va sortir de la crise sanitaire, mais il ne faudra pas revenir au monde d'avant, hein, qui était méchant et tout ça. Il faudra se jeter à corps perdu dans la transition énergétique et donc aller vers de nouveaux systèmes de contrôle, de contraintes, de rationnement, voilà, qu'on appelle sobriété pour faire joli. Et moi, je considère qu'il faut s'élever contre ça, quoi, voilà, parce que ça va remettre en cause tous les fondements de notre puissance économique et de notre prospérité. L'étude que j'ai réalisée par l'Institut Thomas More sur la transition énergétique, j'ai appelé ça la cancel économie. On connaît la cancel culture, qui consiste à détruire les fondements de la culture et de la philosophie occidentale.
Là, c'est la cancel economy, c'est-à-dire qu'on va détruire tout ce qui a fait la richesse de l'Occident, c'est-à-dire les énergies fossiles, et aussi la liberté d'entreprendre, parce que maintenant, avec toutes les réglementations liées à l'utilisation du carbone, bon, on voit que ça touche tous les secteurs, ça touche l'automobile, ça touche le logement, ça touche l'agriculture aussi. On voit ce qui se passe, ce qui s'est passé aux Pays-Bas, où ils veulent réduire la production agricole sous prétexte de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Bon, ça va toucher tout notre vie et ça va restreindre nos libertés. Voilà. Et ça, le résultat de ça, ça va être un appauvrissement. Faut pas écouter les écologistes qui vous parlent de création d'emplois et tout ça. Non, ça va conduire à un appauvrissement extraordinaire et ça va nous amener dans une économie dirigiste, complètement étatisée. Et ça, on sait que c'est très mauvais, on sait que ça marche pas. Hein. L'expérience historique montre que ça marche pas. Il faut que les gens soient libres pour que la croissance économique survienne. Et si on commence à leur imposer tout un tas de normes et de bureaucratie, bah, voilà, et de centralisation, bah, ça ne marche pas. Voilà. Et malheureusement, on va vers ça. Et c'est ce qu'explique, malheureusement, c'est ce qu'on lit dans le livre de Clochefab. Hein, voilà, et qui est mis en œuvre par Macron, par l'Union européenne, etc. Quoi. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on est déjà dedans. Ah oui, on est déjà dedans. Et là, j'ai l'impression que... Ils voient la guerre en Ukraine, ceux qui nous dirigent, je vois la guerre en Ukraine comme une formidable opportunité pour accélérer cette transition énergétique qui jusque-là mettait du temps, c'était un peu compliqué de convaincre les gens. Là, tout d'un coup, on est face à des pénuries, un explosant des prix, donc on est prêt à beaucoup, la plupart des gens sont prêts à gober les directives du gouvernement dans l'espoir que ça aille mieux, quoi. Voilà, de la même façon que l'arrivée du Covid a été une occasion pour le gouvernement de se présenter comme l'État nounou qui allait résoudre, qui allait nous prendre en charge, nous éviter de tomber malade et résoudre tous nos problèmes. Et on voit que les Français adorent ça. Hein. C'est malheureux, voilà. Mais les Français adorent se faire chouchouter par l'État et puis au final, on voilà, est totalement voilà, indépendant. Voilà. Français, et même au niveau européen. Et donc, c'est assez inquiétant, quoi. Je vous invite à mettre des pouces bleus si vous le voulez bien pour faire monter le référencement de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On a également le site Géopolitique Profonde. N'oubliez pas d'aller le visiter. Il y a des articles, il y a des solutions d'autonomie. Il y a des solutions également pour justement vous apprendre quelques notions sur les crypto-monnaies, sur l'or également. Donc n'hésitez pas à aller visiter le site, c'est très important pour tout simplement votre souveraineté individuelle. On en a plus que besoin en cette période de collectivisme. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Alors, je ne vais pas vous retenir très longtemps, Philippe. On va juste regarder, voir s'il y a quelques questions à vous poser. Vous pensez que le pass énergétique, il peut prendre quelle forme? Donc, on a parlé un peu des téléphones, Apple Watch, tous ces trucs-là. Est-ce que, on parle pas mal du compteur Linky. Vous en avez entendu parler, j'imagine. Est-ce qu'on peut faire un contrôle avec ce compteur? Est-ce qu'on peut limiter, couper directement à distance si une personne, par exemple, dépasse les fameux 19 degrés que le gouvernement préconise dans sa maison, dans son appartement? Ça, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas mesurer la température, mais disons que le compteur Linky permet d'en savoir beaucoup. Est-ce qu'on peut agir directement? Alors, il y a eu toute une histoire sur le ballon d'eau chaude qu'on pouvait couper à distance. Finalement, ce n'est pas aussi sûr que ça. Bon, mais de toute façon, le compteur Linky va apporter énormément d'informations comparées à l'ancien compteur. Voilà, donc ensuite, si c'est utilisé par des gens mal intentionnés, bah, ça va restreindre nos libertés, quoi. Voilà, donc... Donc, il y a le compteur Linky, il y a plein d'autres éléments. Et le calcul du CO2, bah, voilà, on en parlait, c'est une façon de contrôler les gens. Vous pensez qu'il peut y avoir une recrudescence du Covid ou pour l'instant, là, on va rester sur la thématique de la guerre Russie-Ukraine. Quel va être la prochaine étape, j'ai l'impression... pour pouvoir faire avancer l'agenda? Moi, j'ai l'impression que... On ne va plus trop parler du Covid, alors peut-être que je me trompe, mais enfin, il faut rester vigilant de toute façon. Et il faut continuer de militer pour que les soignants et les pompiers suspendus soient réintégrés, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'ils vont passer maintenant à la transition énergétique, quoi, voilà, et que le Covid va être mis... C'est par étapes, c'est aussi une façon de mettre la tête des gens sous l'eau, quoi, de passer d'une crise à une autre. Si vous restez trop longtemps dans la même crise, les gens peuvent avoir le temps de se rendre compte que c'est un peu un fake, quoi, qu'il y a un peu de propagande, qu'il y a un peu, que ce n'est pas clair. Donc, le fait de passer d'une crise à l'autre en permanence, c'est aussi une façon de que les gens n'aient pas le temps de prendre conscience de ce qui leur arrive, quoi. Donc, moi, je pense que le Covid, on ne va pas trop en parler. Il y a
On ne parle plus d'obligation vaccinale ou de retour du pass comme avant, quoi. Donc, voilà. Mais il faut Donc, s'attendre à plus de contrôle sur notre consommation d'énergie, quoi. on va passer à une narration un peu de décroissance, de récession, Voilà. d'inflation. Il va falloir se Voilà. C'est tout restreindre ça. pour pouvoir Exactement. vivre convenablement Voilà. et protéger le monde entier. Donc vraiment, c'est Voilà. vraiment le programme de Davos, quoi. Voilà, tout à fait. Ok, très bien. Ben, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il n'y a pas trop de questions, en tout cas pas pertinentes, désolé. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas, Philippe Erlin, de votre temps. C'était Merci. vraiment très pertinent. Je vous invite encore une fois à aller visiter le site Géopolitique Profonde. N'oubliez pas de mettre un pouce à cette vidéo également. Et je vous dis à la prochaine. Merci à tous.